Good afternoon, good morning, and good evening for some of you. I'm Claire Brison. On behalf of Florian Morin, Olivier Schinz, and all the scientific committee, we welcome all of you to the International Conference on Global Provenance. I'm going to continue the introduction in French, but the webinars will be in French and in English. Don't hesitate to use the chat function or raise your virtual hand for asking questions. Je voudrais juste dire quelques mots sur la genèse du projet avant de présenter et de donner la parole à Esther Tisa-Francini, qui modère le webinaire de ce jour intitulé Recherche en provenance suisse et contextes coloniaux. Dans cette conférence, Provenance globale, repensée virtuellement sous la forme de six webinaires, se tient dans le cadre de la programmation scientifique et culturelle de l'exposition exotique Regarder l'ailleurs en Suisse au siècle des Lumières, qui se tenait avant sa fermeture pour des raisons sanitaires au Palais de Rumine à Lausanne. Cette exposition est donc actuellement fermée, comme je viens de vous le dire, mais elle a été numérisée afin que vous puissiez accéder à une visite virtuelle en ligne. Nous avons aussi conçu un booklet, un livret de visite avec tous les textes, l'ensemble des textes et quelques photos de l'exposition sera bientôt disponible en ligne. L'adresse va vous être transmise dans le fil de discussion. Cette exposition est le fruit d'un co-commissariat avec Noémie Etienne, Chonny Ali et moi-même, et la collaboration de Sarah Petrella et Étienne Wismer, qui lui a géré toute la coordination de l'exposition et du livre. Frédéric Dedelet à Zurich en est le scénographe et Jocelyne Frajbou à Paris, la graphiste. Durant les 4 années de conception de l'exposition, entre 2016 et 2020, nous avons réalisé un travail de provenance sur de nombreuses œuvres et de nombreux artefacts. Nous avons matérialisé ce travail de provenance par une carte à l'entrée de l'exposition que je vais vous montrer à l'écran. Elle présente les continents selon leur surface proportionnelle, sans l'Europe au milieu, comme une invitation à décentrer notre regard, le porter sur le reste du monde et à multiplier les points de vue et les discours sur les collections ainsi que les collaborations. Nous avons aussi invité des artistes contemporains à actualiser ces collections issues du XVIIe et du XVIIIe siècle. Par exemple, Denis Pourawa, poète originaire de Nouvelle-Calédonie, est venu voir les objets en réserve que nous avions sélectionnés pour l'exposition dès avril 2019. Voici Denis en réserve avec les objets. Il a notamment travaillé à la dénomination d'un objet qu'on appelle couramment dans les livres d'inventaire des musées européens hache ostensoir, en raison de la ressemblance de cet objet avec l'objet du culte catholique, l'ostensoir. Denis Pourawa a appelé cette hache que vous voyez ici Naakweta en raison du lien de cet objet à l'océan et à l'insularité. Ce travail sur la nomination de l'objet a aussi amené à repenser sa présentation, non plus à la verticale, comme l'ostensoir du culte catholique que brandit le prêtre participant à la messe, mais à l'horizontale, pour rappeler son lien à l'océan. Dans ce contexte, nous souhaitions échanger avec nos collègues universitaires, professionnels des patrimoines et artistes suisses et internationaux sur ces questions de provenance. Comment cette recherche en provenance se pratique? Pourquoi et dans quel contexte? Pour qui? Avec qui? Comment la rendre visible? Et bien d'autres questions encore. Floriane et Olivier se sont joints à moi pour concrétiser ce souhait sous la forme d'une conférence. Comme je l'ai déjà expliqué, cette conférence prend la forme de webinaire dont le premier a déjà eu lieu. Vous pouvez le visionner en ligne sur la page dédiée à la conférence sur le site du Palais de Rumine. Les autres sont programmés les 28 janvier et le 2 février. L'adresse de la page dédiée à la conférence va vous être transmise dans le fil de discussion. Ce deuxième webinaire, dont le sujet porte sur les collections coloniales en Suisse, est au cœur de l'actualité au sein de la Confédération ces derniers mois. Je pense à la motion qui a été déposée par le parlementaire socialiste genevois Carlo Tsumaruga, comme nous l'avons déjà expliqué en introduction, en vidéo d'introduction à la conférence, mais aussi à la création il y a une année de l'Association suisse de recherche en provenance. Cette association vise à créer un réseau, à promouvoir et à diffuser les résultats de la recherche en provenance. L'adresse internet de l'association va également vous être transmise dans le fil de discussion. Ainsi, ce webinaire est le reflet de cette actualité et il a été pensé pour vous montrer la vivacité de l'état de la recherche en provenance en Suisse aujourd'hui et vous donner un large aperçu des projets en cours, tant d'un point de vue des disciplines et des institutions, ethnologie, archéologie, histoire, histoire de l'art et histoire naturelle,
que des chronologies et des géographies. Esther Tisa-Francini a généreusement accepté de modérer ce webinaire et de relever le défi en ligne. Elle est très impliquée dans la recherche en provenance. Elle travaille au Rydberg Museum depuis 2008 et a depuis 2013 la responsabilité des archives et de la recherche en provenance. Elle est historienne de formation, spécialisée dans le domaine des collections spoliées et du marché de l'art de ces collections. Cette compétence s'étend aujourd'hui aux collections non européennes. Elle est la commissaire de plusieurs expositions qui ont lieu au Rydberg Museum. En 2013, de Bouddha à Picasso, le collecteur Edouard von der Heide. En 2018, la question de provenance, découvrir l'histoire de la collection. Elle est également l'une des co-commissaires de l'exposition Dada Africa, dialogue avec l'autre, avec Ralph Burmeister et Michaela Oberhofer, qu'on va entendre prochainement, qui a eu lieu en 2016, puis qui a itinéré d'abord à Berlin, puis à Paris. Actuellement, elle travaille sur un projet de recherche, une collaboration entre l'Université de Zurich et le Rydberg Museum, intitulé « Objets, images, textes, production de savoir enchevêtré entre l'art de l'Afrique, l'ethnologie et le marché mondial dans les archives Imaliber ». Elle est depuis 2001 membre du groupe de travail international sur la recherche en provenance et également membre de l'Association suisse de recherche en provenance. Esther, la parole est à toi. Merci beaucoup Claire pour cette introduction. Bonjour à tout le monde, herzlich willkommen and a warm welcome to everybody. Et je remercie à Claire, mais aussi aux deux autres organisateurs, Florian Morin et Olivier Schintz, de m'avoir invité, d'une part dans le comité scientifique, d'autre part pour la modération de ce panel. Mon intérêt est de discuter avec vous toutes et tous, les organisateurs, les conférenciers et le public, est vraiment celui de mieux cerner et comprendre le rôle de la Suisse dans l'époque coloniale et ce qui vient d'être transporté comme ahistorique, décontextualisé ou eurocentrique tout encore aujourd'hui. L'état des recherches en provenance sur les collections et surtout aussi les collaborations avec les pays d'origine des collections en Suisse qui sont en cours. Le but donc de ces prochaines heures est d'avancer d'un petit pas dans ce domaine extrêmement vaste, très actuel et fort important, ce qui est au cœur des musées et des recherches aujourd'hui. I will continue in English, but of course feel free to ask later questions in French or in German in the Q&A and in the roundtable. Quite long ago, in 1998, Thomas David and Buddha Etemat asked about a Swiss imperialism with question mark. Not so long ago, in 2011, Andreas Zanker published his study about Koloniale Schweiz without question mark. The framework of this webinar today is the show Exotic and the publication Une Suisse Exotique with question mark. More and more studies and exhibitions show the deep involvement of Swiss missionaries, engineers, scientists, merchants, explorers, and business people in the wide colonial project. Patricia Purchert speaks from Switzerland as a country with a colonialism without colonies. We are not dealing here with a national history. The history of a transnational Switzerland has to be done by a multi-sided historiography. The entanglement of Switzerland through neutrality, I make a reference to Daniel Speich, tries also to go out of this sometimes still used legend as a Sonderfall, that means a special case, ou un cas spécial. Switzerland, with all the today discussed collections and transported images and issues, is as interlaced as many other parts of the world. So we can see the Swiss worldwide involvement in colonial time on a global level, materialized through huge archives, libraries and collections from very different regions and object types. The consequence, that means the decolonization of Swiss institutions and archives, was debated in the last years and recently questioned in 2019 by a special number of ZANZA, the Journal of the Swiss
Anthropological Association, edited by Marie-Laure Alain Bonilla and Fiona Siegenthaler, and different workshops, as for example, The Material Culture in Transit, a workshop organized by the University of Bern and the Bernisches Historisches Museum last year. With the growing awareness of colonial Switzerland, with a deeper knowledge about the entangled history of the collections, responsibility is linked and raising. How to deal with this legacy? In which forms of collaboration with the source countries or the diaspora are we engaged? I think this colloquium arrives in an important moment when new projects are being negotiated, relationships defined, and restitution questioned. The Office Federal of Culture recently decided to finance some groundbreaking provenance research projects also covering the colonial era. An Igonese social life of provenance from 2012 is becoming more and more accepted so that we can move into all those political, economic, scientific and art histories in our collections and tell the stories of global provenance and discuss how to deal with them. But how to tell them, to speak with Benedikt Savoy, Was unsere Museen nicht erzählen, from 2017. We will come to questions of display and new narratives within some presentations and hopefully within the round table. Please feel free to give your inputs to all the professionals from museums, universities, and to discuss the future of Swiss collections and the dealings with global provenance within the next few hours with us. I will introduce each speaker in the two panels very briefly. You have the bibliography on the web, and we will have a Q&A session twice after three presentations each. Then please keep the overall questions for the round table.